à l'école numérique Machindano. Mes chers amis, nous avons une leçon de sciences botaniques. Observez ici ce que j'ai en main. Ça, c'est une tomate. Nous l'avons aussi dessinée au tableau. Aujourd'hui, en sciences botaniques, nous allons étudier la plante qu'on appelle la tomate. La tomate. La tomate. Mes chers amis, cette plante que nous appelons la tomate est originaire de quel continent? Cette plante est originaire de l'Amérique du Sud. L'origine, c'est l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. C'est l'origine de cette plante que nous appelons la tomate. Cette plante, on la cultive partout ici en RDC. Alors, laisse-nous montrer les parties de la tomate. Les parties. Nous avons premièrement les feuilles. Nous avons premièrement les feuilles. Comment on appelle les feuilles de la tomate? Ce sont des feuilles alternes. Ce sont des feuilles alternes. Nous avons aussi une autre partie que nous appelons la tige. La tige de la tomate est couverte par des petits poils. Cette tige est couverte par des petits poils. Nous avons une autre partie que nous appelons les racines. Les racines. Comment appelle-t-on les racines de la tomate? Ce sont des racines ramifiées. Les racines ramifiées. Et enfin, nous avons la fleur. La fleur est constituée par un calice, une corolle, un pistil et des étamines. La fleur est constituée par un calice, une corolle, un pistil et des étamines. Alors, mes chers amis, cette plante que nous appelons la tomate, on dit que c'est une baie. On dit que la tomate est une baie. Pourquoi? Parce que elle produit des fruits qui ont la couleur rouge car ils mûrissent. Nous disons que la tomate est une baie parce qu'elle produit des fruits qui ont la couleur rouge quand ils mûrissent.
Voilà, mes chers amis, nous venons de voir les parties de la tomate. Nous avons cité les feuilles et nous avons dit que ce sont des feuilles alternes. La tige est couverte par de petits poils. Les racines sont des racines ramifiées et la fleur est constituée par un calus, une corolle, un pistil et des étamines. Comme exercice, vous allez énumérer les parties de cette plante que nous appelons la tomate. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.